Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Moshe ben Sultana, Amoyana ben Hanapegi Batester Nissim ben Ahuda, et Sarah Batrana Rachel. Si vous souhaitez vous aider d'aider une prochaine étude de 2000 protecteur 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Avodah Zarah, Perikhe Mishnah Aleph. Asocher et Apoel, la Asot Imo Beyai Nesech, Scharo Asur. Scharo la Asot Imo Melacha Aferet, Afalpi Shamar lo Haaver li Chavit shel Yai Nesech, Mimakom le Makom. Scharo mutar. Asocher et achamor leavi alea yain nesech, schara asur. Schara leshev alea, afal bishinyach agoy legino alea, schara mutar. On continue le sujet du yain nesech, la fin du perek dalet et perek he, c'est les deux prakim qui parlent de l'interdit du yain nesech, le vin d'Egoïm. Pour rappel, Chachamim ont fait comme décret que le vin que le goy touche, manipule, devient considéré comme si c'était un vin qui a été consacré à la Avodah Zara, interdit d'en tirer profit. Même si c'est Stam Yenam, sur le simple fait d'avoir déplacé la bouteille, touché la bouteille, comme on a évoqué, comme on continuera à la prendre encore pour la suite. Maintenant, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est que puisque ça a été interdit à cause de la Avodah Zara, alors la Avodah Zara, elle n'est pas interdite qu'à la consommation. Elle est même interdite à en tirer profit. Donc le Yain Neser, interdit formel d'en tirer profit. Et la Mishnah va nous préciser maintenant que faire lorsque l'on est embauché pour travailler dans du Yain Neser, déplacer des tonneaux. Est-ce que je peux ou je ne peux pas être embauché? Et la Mishnah nous enseigne. « Asocher et apoel, la asot imo be Yain Neser. » Celui qui loue un employé, donc qui embauche un employé, la santé imo beyaï neser, pour qu'il fasse avec lui, qu'il l'aide à travailler dans le yaï neser, à le mettre en fût, à déplacer les tonneaux, à les transporter. Alors la Mishnah nous enseigne que scharo asur, eh bien il n'aura pas le droit de profiter de son salaire. Soit j'ai travaillé 400 shekels ou 100 euros pour déplacer toute une quantité de tonneaux, qui était du Yain Neser, eh ben je n'aurais pas le droit de tirer profit de mon salaire. Je devrais aller Yoli Khanal et Yamamelach, le jeter à la mer. Interdit d'en tirer profit. Par contre, Sraro la Sot Imom Elacha Acheret, si il m'a embauché pour faire un autre travail, qu'on va préciser après c'est quoi, mais par exemple, il m'a dit viens avec moi, tu vas m'aider à faire plein, toutes sortes de travaux domestiques. Et à part ça, il m'a en plus de ça donné à déplacer un moment quelques petits tonneaux. Alors la Mishnah m'enseigne, bien qu'il lui ait dit, déplace-moi aussi ces tonneaux. Parmi tous les travaux que je suis venu faire, je suis venu le repeindre à la maison. Et pendant que je repeignais, il y a eu un moment où il y avait les tonneaux. Il m'a dit, tiens, tu sais quoi, vas-y, prends 10 minutes et déplace les tonneaux de l'autre côté, et comme ça tu peux continuer à peindre de l'autre côté. Donc du coup, je me suis mis, moi, à déplacer les tonneaux. Alors la Mishnah m'enseigne que « scharo mutar », j'aurai le droit de profiter de mon salaire. Mais attention, le Bartanoa nous précise, il le dit d'une certaine manière, pour le moment je vous explique d'abord le principe, après on va plus préciser comme le Bartanoa le fait. Et je devrais, certes, imaginez par exemple que j'ai pris 400 shekels de la journée pour venir repeindre cette chambre, et puis j'ai passé une demi-heure à déplacer les tonneaux. Alors il faudra que je calcule malgré tout, parmi le salaire que je vais recevoir, quand je vais recevoir les 400 shekels, combien proportionnellement va pour le déplacement des tonneaux, si j'avais voulu ne pas faire ça. Je lui dis non, moi pour le moment, 20 minutes, tu vas chercher quelqu'un d'autre qui les déplace. Suite à ça, il m'aurait déduit combien? Disons 20 shekels, 30 shekels. Et bien dans ce cas-là, quand je reçois mes 400 shekels, je devrais retirer les 30 shekels et aller les détruire et rester qu'avec 370 shekels, d'accord? Le Bartanoa précise, plus nettement que la Gemara le fait d'ailleurs, en réalité on parle que par exemple, on parle de deux cas de figure, il m'a embauché pour déplacer 100 tonneaux, mais selon la formule lorsqu'il m'a embauché, est-ce qu'il m'a dit viens travailler, déplace les 100 tonneaux pour 100 shekels, ou bien déplace les 100 tonneaux, tu reçois 1 shekel par tonneau. Selon le cas, il y aura un cas permis et un cas interdit. Soit, s'il m'a dit, le cas simple d'abord, déplace ces 100 tonneaux. Pour chaque tonneau, tu prends 10 shekels.
Et donc j'ai commencé à les déplacer. Une fois que j'ai fini, il me dit, t'as vu là, c'est 100 tonneaux, donc maintenant il vaut 1000 shekels. Il me dit, bah, il y en a 20 en fait qui étaient, je découvre, je comprends qu'il y en a en fait 20 qui étaient du Yaïd des serres. Alors des 1000 shekels que je vais recevoir, je devrais retirer 200 shekels. Ouais, 20 tonneaux fois 10 shekels, donc je retire 200 shekels, et je vais et je les jette à la mer. Et les 800, j'aurai le droit de les garder. Par contre, si il m'a embauché pour déplacer les 100 tonneaux, et il m'a dit, tu reçois sur ça 1000 shekels, eh bien, tout le salaire sera défendu. Pour quelle raison? Ça, c'est compliqué à comprendre. Non, c'est une sphère un petit peu fine, que je ne maîtrise pas assez en tout cas, que le principe, il est comme ça. Il est qu'on va supposer que, peut-être qu'en réalité, tout le but du goy, c'était de me faire... C'est-à-dire, le principe d'abord, je vais commencer par donner l'idée générale, après à préciser les raisons exactes. L'idée générale, elle est que là, on va regarder tout le travail comme une seule entité et tout le salaire comme une seule entité. Et puisqu'il y a dedans quelque chose d'interdit dans cette entité du travail, alors, dans ce cas-là, tout le salaire, c'est un salaire qui vient en contrepartie, partiellement en tout cas contre le NSR, mais on ne peut pas le fractionner en morceaux. Pour mieux préciser pourquoi, c'est rapporté dans le Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël, ils expliquent, parce qu'en réalité, peut-être que, vous savez, vous prenez un employé pour vous... déplacer des choses. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont plus chères, que vous le prenez essentiellement pour ça. Mais sur le tas, vous lui dites, allez, fais-moi aussi d'autres travaux, par exemple. On va prendre le cas où je devais déplacer 100 tonneaux et il y avait 20 tonneaux de Yéguesser. Peut-être qu'en réalité, le travail essentiel qu'il voulait, c'était de déplacer les tonneaux du Yéguesser. Tandis que les autres tonneaux de bière, ouais, il aurait pu les laisser, il aurait pu les déplacer lui-même. Mais pour déplacer les tonneaux de vin, hein, il a voulu prendre un... Peut-être, c'était ça ce qu'il avait dans la tête. Il a voulu prendre un professionnel qui s'était sûr qu'il n'allait pas faire tomber le vin. Donc de ce fait, il s'avère qu'en réalité, toute l'entité du travail, tout le travail forme une seule entité, que si ça se trouve, tout le travail n'a été que pour ça, essentiellement. Alors c'est vrai qu'il m'a fourgué au milieu d'autres tonneaux à déplacer. Mais peut-être qu'en réalité... Tout le salaire qu'il a voulu m'attribuer, c'était essentiellement pour les tonneaux de vin, et qu'au passage, il m'a aussi donné deux petits travaux, il m'a arrondi ça à la centaine supérieure, donc, d'accord. Donc de ce fait, puisque on considère tout le travail comme une seule entité, que peut-être et la composante essentielle de ce travail, c'est le Yaïd Nesser, de ce fait, tout le salaire deviendra interdit, d'accord. On continue dans la Seifa. « Asocher et achamor le'avi alea Yaïd Nesser » Si il a loué mon âne, pour déplacer du Yaïd Nesser. Il m'a loué donc mon âne en me disant qu'il avait besoin de transporter, de faire un petit déménagement de tonneaux de Yaïd Nesser. Alors dans ce cas-là, Srara Assur, je n'aurai pas le droit de profiter du salaire de l'âne. Maintenant, j'ai un petit... D'accord. Maintenant, la Mishnah ne précise pas contre Srara Leishel Valéa. S'il a loué le Hamor, l'âne, pour partir dans une autre ville, il ne m'a rien précisé de plus, donc il doit lui se déplacer. Bien que le goy a aussi transporté son petit pinard avec lui, bien sûr, bien évidemment, il ne va pas prendre le volant sans avoir sa petite bouteille à côté de lui, c'est évident. Donc c'était une évidence que depuis le début, quand il m'a dit qu'il allait partir dans une autre ville, que c'était inclus dans cette sri-route qu'il allait aussi prendre. Dans cette location, c'est inclus qu'elle allait aussi prendre sa petite bouteille. Et bien malgré tout, la Mishnah me dit, ben, Srara Mouta, son Sra, il est permis, étant donné que pas tout celui qui conduit est obligé de boire au volant. Lorsqu'il m'a dit que lui, il est parti dans l'autre ville, ce qu'il m'a demandé, lui, de me louer mon âne, c'était pour son déplacement essentiel. Ça impliquait pas forcément qu'elle allait avoir sa bouteille de vin. De ce fait, je devrais pas lui déduire, calculer qu'en fait, quand il a voulu partir... Il a mis, en fait, quand il m'a donné, par exemple, 300 shekels pour le déplacement, je ne vais pas commencer à me dire que peut-être qu'il y avait 250 pour lui, puis 50 pour son petit tonneau de vin. Non, je considère que les 300 étaient là pour son déplacement. C'était pas obligé de prendre du vin. De ce fait, je pourrais tirer profit des 300 shekels que j'ai reçus en sri-route pour la location. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de slacha, kol tov, salam.